Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 10 d'Alan Wake et on devait quitter la mine et finir ce chapitre. Je pense qu'après ce sera fini. Donc ouais. Ah non, si je me souviens bien, c'était assez simple. Après on monte, on a encore un truc pour le bouger, on le met en haut et puis c'est bon. Ouais. Ah, comme ça. Ouais, comme ça. Hop. Non mais c'est bon, Alan. Il y a peut-être un truc là-haut. Ou alors c'est juste qu'il faut y monter pour plus tard. Ouais, non, faut y monter pour plus tard. Cette phase d'énigme est très difficile, je dois l'avouer. Faut qu'on aille là. What? Ah, ok. Pas l'américain. Hop! Évidemment, tout se casse la gueule après que je sois passé. Non, je suis mauvaise langue, ça ne s'est pas cassé. Faut que je... Ah non, j'allais tirer dedans. Fuck les mines d'il y a 200 ans, enfin non, 150 ans. Faut qu'on monte, mais il y a sans doute quelque chose en bas. Ou alors c'est le contraire. C'est le contraire. Oh non, mais c'est pas... Je me suis fait rush, mais pas par ce que je pensais. Arrêtez. Wow, j'ai failli tomber. Ils en ont rien à foutre des escaliers. Hein. Ça ne les regarde pas, les escaliers. Allez-y, venez. Je les fais cramer les oiseaux. Ah, c'est fini. Je sais pas ce qui... Ok, une page de manuscrit. Centrer la vue. Faut que j'aille où? Concrètement. Ouais. Bon, non, c'est juste pour regarder la montagne. Ouais, on va devoir prendre le téléphérique. Ou le... téléphérique ou télésiège? J'ai jamais connu la différence. Télésiège, c'est... C'est le tire-fesse, là, non? Et téléphérique, c'est ça, du coup. I don't know. Allez, régène, voilà. Ah, super, encore un téléphone. Dug!
Non, attends, on va aller voir les oiseaux, je pense. Mais non, mais pas par 10 000. Ah, ils s'en vont. Non. Je te recte les corbeaux, mais c'est la violence, quoi. Désolé, on voit rien. Je pouvais pas tourner la cam. Ah putain. Bonjour. Quand on leur met des headshots, on peut les avoir en 2 balles. Chocho. Même les piles? Ah ouais, je suis avant. Okay. Attends, on va utiliser un peu, j'ai plein de balles. Ah putain! Direct! Ah mais non, mais on m'a lancé un truc. Dieu l'autre. Ok. Hop, petit point de contrôle. C'est B, j'appuie sur A. Cauldron Lake. Le 8e lac le plus profond au monde est un lac de cratère formé dans un cratère volcanique. Logique. Le volcan lui-même peut être considéré comme actif, mais il n'est pas entré en éruption depuis les secousses sismiques de 1970. Même à cette époque, l'activité souterraine était très faible. Malgré des dégâts matériels, il n'y eut aucune victime. Cauldron Lake est l'un des plus beaux endroits des environs de Bright Falls, ainsi qu'un lieu essentiel dans de nombreuses légendes locales. Il s'agit d'une zone de loisirs très prisée des habitants. Effectivement, si à la même distance entre là et le lac, tu m'étonnes qu'il est profond. Vous sentez la baise? Moi, je la sens. Attends. Oh là 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 là. Ok, bon, ça veut dire rush. Non, je peux pas rush. Ok. Mais faites pas les Américains.
Comment tu veux esquiver ça sur un pont? Tu fais le mouvement qu'il vient de faire en vrai, tu tombes direct, hein. Peut-être des trucs ici? Non. Ah. Ok. Toujours sa respiration, putain, j'aime pas. Ok, un lance-fusée. Plus de brillance, s'il vous plaît. Ok, je dois monter par là. Je vais voir jusqu'où elle éclairait ma lampe, jusqu'où on voyait le faisceau, mais le jeu, il date quand même, mine de rien. J'avais pas... Alan. Ah, attends. Flemmard. Oulala, appelez Gus DX. Merci du follow. En pleine vidéo. Ok, c'est fermé. Attends. Oulala, wouhou. Je t'ai maudit, Thomas Zane. Ça, c'est l'ancien écrivain dont ça parlait, je crois, c'était... Il parlait de lui dans... Calmos. Il parlait de lui dans... En fait, c'est l'ancien écrivain qui a vécu un peu la même chose que moi, on va dire. Tom. Donc, c'est... NW, donc déjà, c'est pas Rose. CW, je sais pas qui c'est. Et TZ, bah c'est... Thomas Zane. Donc là, Tom. Tu me manques, Tom. Est-ce que tu as écrit ça? Tu me parles sur la télé. Enfin, à la télé. Ok. Toujours sa respiration. Qu'est-ce que c'est? Fusil de chasse. Carabine. Ok. Ça va s'effondrer, ça. Bah oui. Regarde. Ok. Prends la carabine. Ok. On place ça. Ah ouais, d'accord, même la lumière ça l'arrête pas. Non. Ça m'aurait tué.
Hop. On n'en parle plus. Si seulement les... Enfin, j'aime trop comment ils portent l'arme comme ça. Tellement badass. C'est bon, tranquille. Un petit peu de café par ici. Hop. Je suis devant. Je pouvais voir Coldron Lake. Je pensais pouvoir distinguer l'endroit où s'étaient trouvés l'île et le chalet. Il y avait une lumière à proximité. Sûrement un bateau. C'est qui cherche le corps de ma femme? Oh, c'est quoi ce bâtiment là-bas? Bizarre. J'y étais presque maintenant. Il fallait que je me dépêche. Mais je redoutais de savoir ce qui m'attendait. Wake. Wake. Hé, je suis là! J'arrive! Ah, c'est ravi ça. Non, laissez-moi. Je suis désolé. Je pense. C'est la dame en noir. On sait même pas où elle est. Et elle est sûrement noyée. Et on lui a juste fait croire qu'on l'avait pour le baratiner. Oh le bâtard. Et après, je suis allé trop vite, mais il a dit pour forcer à l'écrire. Enfin, pour le forcer à écrire. Ah! Je sais pas si vous avez vu, mais le mec, sa tête elle est restée en place et son corps il a tourné comme ça. La fin du chapitre. Fin de l'épisode 3. Bon, par contre, si la musique dure 50 ans, je la passe, sinon je la laisse. Ça, c'est la musique que j'aime bien écouter, les paroles. C'est joyeux. Hein. Voilà, donc merci les copyrights. Précédemment dans Alan. Non. Donc, merci d'avoir regardé ce chapitre 3 avec moi et d'avoir surtout regardé cet épisode 9 ou 10, je ne sais plus. Peu importe, on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Salut.